Bonjour à tous, on se retrouve sur Prison Architecte pour l'épisode numéro 2. Donc là, on va essayer de développer la prison, hein, donc calmement. Donc on va essayer de faire l'éducation, donc de servir nos salles de classe. La dernière fois, on avait eu un petit problème pour faire les programmes, donc on va les faire tout de suite. Alors, je le rappelle, pour les nouveaux, on s'abonne bien entendu, hein, c'est une évidence. Pour les autres, c'est bien évidemment le pouce bleu ou le pouce rouge. Si vraiment vous n'avez pas aimé, ça ne me dérange pas, il n'y a pas de souci. Allez, on va regarder notre programme éducatif. Donc, on avait des créneaux horaires à faire. Je fais pour ceux qui n'auraient jamais fait de prison architecte, hein, comme ça, pour les débutants. Et... Vous voyez, moi j'avais fait n'importe quoi en fait. Hein. J'avais démarré les créneaux. Voilà, j'avais fait, il faut le dire, c'est clair, n'importe quoi. Alors... il faut qu'on mette des régimes de travail ici. Donc on va mettre du travail enfermement. On va choisir là un créneau. Ah, par contre, ça m'a mis en... Ah, attendez, j'avais pas fait gaffe à ça. En fait, on peut y choisir par... vous voyez, par type de détenus. Donc les détenus basse sécurité, les détenus moyennes et les détenus haute sécurité. Ok. Et moi, ceci dit, je veux un créneau de 3 heures pour tout le monde. Voilà, donc les moyennes et les hautes, je vais les traiter pareil. Ceci dit, on va les séparer, comme ça, ça sera fait pour après. Donc là, vous voyez, de 5h à 7h, on a un créneau de travail. Alors maintenant, on va leur demander, donc c'est dans les programmes, donc on va essayer de finir notre mission principale, qui est disposer de 10 prisonniers ayant réussi un programme de formation scolaire pour débutants. Donc on va commencer le programme. Voilà. Et vous voyez, ici, on a le créneau qui s'est mis. Ensuite, on avait disposé d'un prisonnier ayant réussi le programme de formation scolaire générale. Alors, le formation scolaire générale, il est là. Voilà, donc là, c'est bon. Normalement, on a démarré nos deux programmes, donc on devrait pouvoir finir cette mission qui est la réhabilitation par l'éducation. Produire 30 plaques d'immatriculation. Alors ça, il faut déjà que je puisse finir mon atelier. Et pour finir mon atelier, effectivement, il faut aussi que je fasse, voilà, sécurité à l'atelier. Donc on va commencer sécurité à l'atelier. Et je vois qu'il s'est inscrit un programme. Donc c'est bien, ça se fait toujours. Voilà, oui, parce qu'en fait, je l'avais mis là. En fait, il faut les mettre ici. Vous voyez, atelier, vous cliquez sur la formation choisie. Mettons cuisine. Quand je vais choisir programme de cuisine, ça sera celui-là, salubrité et hygiène de cuisine. Mais pour l'instant... On va pas trop s'embrouiller la tête, on va faire ça, on va essayer de se développer vraiment tranquillement. Alors on va redémarrer, on va essayer aussi de finir notre cuisine. Est-ce qu'on avait mis tous nos tuyaux? Ça a l'air d'être bon. Alors par contre, je vais peut-être vérifier, c'est le problème qu'on a souvent, c'est les lecs. Voilà, là on est quand même... allez, trois accumulateurs. Parce que vous voyez, on est aux 3/4 de la charge. La serve. Donc on a ça. Alors ici, capacité raisonnable maximale 77-194. Alors là, on voit clairement qu'on va partir à la bagarre. Parce que si effectivement on n'a qu'une capacité de 77 et qu'on a 194 détenus, on est mal. On est mal. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, il faut qu'on s'agrandisse. Donc moi, je vais acheter ici, là, le terrain, 20 000. Voilà, c'est pas mal. Alors, je vais faire attention parce que j'ai plus que 60 000. Alors, ce que j'avais envie de faire, c'était un autre bloc à part. Un bloc des cellules. Tenter ça. Parce que j'ai vu qu'il y en a qui faisaient ça. Parce que moi, j'ai fait un gros bloc, un ensemble, vous voyez, unique. Et je suis pas sûr que ça soit très bon, en fait. Donc, on va faire ici. 22 000. Ah, faut qu'on fasse gaffe parce qu'on n'est on est pas non plus Rockefeller. Donc, du coup, on va mettre objet, porte. Porte, c'est pas dans objet. Ah non, c'est dans mur et porte. Alors, on va mettre une grande porte de prison, voilà, comme ça. Alors, on va faire le bloc. On va faire une entrée en bas, voilà. Alors, ce que je voulais faire aussi, c'est je voulais mettre des... Est-ce qu'il existe des grillages, voilà, des clôtures? Est-ce que je mets une clôture ou un mur? Je
vais peut-être mettre un mur d'enceinte là. Comme ça, oui. Comme ça, ici, ils peuvent pas sortir. Comme ça, pareil. Alors, ce qu'il faut que je mette une... À mon avis, il faut que je mette une porte aussi là, sinon je vais t'embêter. Mur avec barreau, non. Grande porte, ici. Ah, ça passe pas. Alors, je sais pas ce qu'il faut mettre comme type de porte là-dessus. Porte visiteur. Porte sécurisée, ça marcherait, ça? Porte de prison. Ah, ça, ça marchait. Alors, on va mettre ça. Voilà. Allez, on va avancer plus vite. Vous montrer, c'est dommage, on est la nuit. Vous voyez, parce que moi, j'ai fait un grand bloc. Je suis pas sûr que ça soit une bonne méthode en fait. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bloc de cellules complet pour essayer de rattraper la capacité qu'on avait là. Alors, on va retourner voir est-ce que notre école fonctionne. Alors là, c'est en vert. Ah bah si, regardez. Ah non, c'est bon. Donc là, normalement, si je pense, je dois avoir mes salles de classe. Ouais, c'est ça, voilà. Vous voyez, là, cette salle de classe, elle fonctionne. Formateur. Comme ça, j'ai embauché ou ça vient tout seul, ça, un formateur? D'accord, non, non, ça vient tout seul, apparemment. Bon, bah, c'est impeccable. Ça fonctionne. Alors, par contre, j'ai toujours un problème avec ma deuxième cuisine. Oui, parce que là, il me manque un bout de câble, ici. Comme ça. Voilà. Et il me manque l'eau aussi. Oui, c'est ça. On a oublié l'eau. Donc là, on est bien. Ah, alors là, c'est pas bon signe. En général, quand il m'appelle, lui, c'est soit pour m'engueuler, soit pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Allez, on y va. L'un de nos prisonniers les plus charismatiques est devenu évangéliste. Est en train de convaincre d'autres du bien fondé de son mode de pensée. Ce n'est pas un problème en soi, mais nos prisonniers auront des besoins spirituels plus importants. D'accord, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là? Du coup, il va falloir qu'on fasse une église, un truc comme ça, non? Ou une... Alors... Ah, construction rapide, j'ai la salle de classe maintenant. Donc ça, c'est pas mal. Infirmerie, non, j'ai pas. C'est peut-être là-dedans. Chapelle. Et quoi? On va mettre en pause et on va faire la chapelle. Parce que sinon on va se faire piéger, champ. Alors, combien ça nous prend pour faire une chapelle? Ah, 6 par 6 quand même. Ça passerait là. 6. Oui, c'est bon. Hein. 8 par 6, c'est bon. Ok, bon, on est bon. Du coup, on va faire le mur. Faire un mur comme ça. Un mur comme ça. Et on va mettre une porte simple. Parce que finalement, la chapelle, tout le monde peut y aller. Alors, ensuite. Et qu'est-ce qu'il nous demandait dans la chapelle? Alors, il faut que ça soit à l'intérieur. Donc ça, c'est bon. Il nous faut un hôtel. Hôtel. Alors, on va le mettre là. Voilà. Ensuite, il nous faut les bancs d'église. Vous voyez, c'est très complet. Hein. C'est un jeu qui est vraiment... Bancs d'église. Je le rappelle, qui est en promo. Vous y allez. Hein. Ah, il faut un tapis de prière aussi. Ouais, par contre, j'ai pas prévu ça. Alors, tapis de prière... On va en mettre deux. Est-ce que là on est complet? Normalement oui. Hein. Normalement on est bon. Donc on va continuer. Allez, on accélère le temps. Du coup, on va aller jeter un oeil à notre blocos là-bas. Celle-là de porte, j'ai presque envie de la laisser ouverte là pour l'instant. Parce que finalement, elle va...
Voilà. Je vais laisser ouvert. Ah ouais, les murs d'enceinte sont vachement plus costauds, hein. Ceci dit, je pourrais presque ouvrir là. Ça gênerait pas. Alors, la cuisine ne fonctionne pas. Les admissions, on est ok. Alors attendez, on va vérifier un coup. L'électricité, on est toujours aux 3/4. Donc là, il va peut-être falloir refaire un. Ah, mais j'ai toujours pas pris mon câble en fait. C'est ça le truc. Alors, on va aller un peu plus vite. Ok, il y a une bagarre. C'est la cantine. En fait, j'ai qu'une cantine. C'est peut-être ça le problème aussi, hein. J'ai qu'une cantine. Donc là, je suis en train de me demander si je vais pas ici faire une extension extérieure. Du coup, on va démolir notre mur d'enceinte. C'est dommage, on l'a payé, donc on perd un peu d'argent. Mais bon, c'est la prime, on va dire, à la nouveauté. Ah ouais, ça coûte cher par contre, hein. L'enceinte, 7000 et... Waouh. J'ai intérêt de ramener de l'argent, hein. Alors, par contre, est-ce qu'ils peuvent passer, eux? Porte de prison. Si je mets porte du personnel, normalement... Ouais, on va plutôt mettre ça pour les travaux, parce que sinon... Porte du personnel. Sinon, faut attendre un gardien à chaque fois, et finalement, on est embêté, en fait. Donc là, on est bien. Allez, on redémarre vite fait, là. La simu, on va essayer de finir l'extension, là. Essayer de finir aussi la chapelle. Voilà. Et vous savez ce qu'on va faire, là? On va... Est-ce qu'on peut faire ici une cour, après? Parce que là, la cour, on est vraiment trop petit, hein, là. Ça, un jour ou l'autre, on va avoir des meurtres, là-dedans. Alors, la cuisine. Alors, par contre, on peut aller voir la logistique, comment ça se passe. Distribution de la cuisine. D'accord. Donc, on a... En fait, on a... Ah non, on a deux cantines. D'accord. Donc, c'est peut-être pas ce qui est le plus urgent, la cantine. Alors, par contre, ici, là, je sais pas ce qui s'est passé, là. On va vendre tout ça, là. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est quoi, ça? Tôle. Peut-être qu'on pourrait s'occuper de voir pour nos plaques d'immatriculation. Ça nous permettrait de récupérer 10 000. Alors, on va ordonner. On va vider un peu tout ça. Alors moi je fais tout à la main parce que bon, je suis pas, je vous dis, je suis pas un professionnel, j'essaye le jeu vraiment en tant que comme ça, en tant qu'amateur, j'ai aucune prétention. Voilà. Alors, ah, on peut pas le prendre celui-ci. C'est pas grave. Alors faire 30 plaques. Alors c'est peut-être dans la logistique. Travail carcéral. Requis sûreté à l'atelier. Donc ça j'ai pas dû le valider encore. Est-ce que j'en ai? Est-ce que j'en ai détenu? Sûreté à l'atelier. J'ai pas dû le valider encore. Donc on va attendre. Ah attendez, parce que là j'ai... D'accord. Effectivement, je vais mettre 4 prisonniers en cuisine. Est-ce que j'ai d'autres endroits où je peux mettre des prisonniers? Ok. Là, on a bientôt fini notre base. Donc, surtout, hein, on y pense. J'aimerais bien finir ma chapelle.
là, ça marche toujours pas. Alors, ce qu'on peut faire en attendant, c'est le vous montrer le déploiement. Le déploiement, voilà. Alors, j'ai compris que le déploiement, je vais mettre en pause. Vous voyez, là on est à, ça c'est l'heure exacte où on est, donc on maintient des gardes, deux ici, deux au parloir, deux à la salle commune, un en commission et trois dans la cour. Et ça, on peut le faire sur chaque créneau apparemment, horaire. Allez, on avance. Qu'est-ce qu'on peut faire des rondes? Affecter des maîtres chiens. Ah, mais attendez, parce qu'il y a une autre chose que j'ai pas fait, c'est peut-être développer des programmes tout simples. Nickel. Maître chien, on n'en a pas pris ça, alors on va peut-être en prendre des maîtres chiens. Requis avocat. Alors. Ça coûte cher ça quand même. Hein. Nécessite avocat. Et comment je débloque l'avocat? Nécessite directeur. Ben, je l'ai bien directeur, non? J'en ai un approuvé. Apparemment, j'ai pas d'avocat encore. Par contre, on va peut-être faire ça, accès à distance. Allez, tant qu'on y est. Et les tours de garde. On débloque les tours de garde. Allez, on va pas faire plus parce qu'après ça. Vous voyez, hein, on est que 37 000, on n'est pas non plus hyper riche. Sachant qu'on est en plein développement, donc moi je veux pas hypothéquer tout ça. Alors, par contre, j'aimerais bien savoir. Alors, on va regarder quelque chose quand même aussi, c'est sur les renseignements. Donc, on a quand même pas mal d'objets qui traînent dans notre prison, vous voyez. Des téléphones, de l'alcool, des cigarettes, téléphone portable, enfin. Contrebande, tournevis. Donc ça, c'est pas bon. Alors, les informateurs. Rapide. Richard McMahon. Sachant qu'on a des prisonniers qui arrivent. Admission de prisonniers. Ah oui, alors, par contre, dans l'admission, vous voyez, il y avait ça aussi. Admission. Pour l'instant, j'ai fermé les catégories haute sécurité, très haute et transfert de détenus. J'accueille uniquement des basses et des moyennes sécurité. Ça, c'est l'onglet que j'ai découvert en regardant un peu des vidéos. Donc, on va faire ça. Par contre, il faut absolument, du coup, il faut absolument qu'on fasse un bloc de cellules là complet. Sinon, là, on va être très très mal. Mais là, il est prêt le bloc ou pas? Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait de l'électricité là dans le bloc. Ah, mais tout simplement, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas tiré de câble, donc c'est sûr que par contre je suis en train de me demander ce bloc là, je vais pas faire ça, on va faire une autre salle, une salle préconstruite, on va faire une alimentation à part pour celui là vous voyez, on va se mettre là ou ici comme ça, voilà. On va faire ça, voilà. Et on va tirer un câble à part. Donc nous, on va, je sais pas d'où part le câble, donc on va le voir tout de suite. On va passer en service. On va tirer un câble comme ça. Et on va voir si ça prend toute la pièce. Ça, ce bloc de service alimente ce bloc là et celui-là alimentera ce bloc là. Parce que je me suis fait avoir une fois, j'ai mélangé et puis ça c'est pas ça buguait, enfin ça buguait pas. C'est sûrement moi qui avait mal fait les choses. Voilà. Par contre ça bagarre là, voilà, il faut vraiment qu'on fasse des cellules. Parce que vous voyez, on a les salles d'attente qui sont pleines. Du coup on est en face. Vous savez ce que je vais faire là, ça? Faut que je le mette ouvert, porte ouverte, voilà, parce que sinon ils peuvent pas travailler. Alors, deuxième chose que je voulais voir, c'est est-ce qu'on avait des tunnels. Alors, je voulais faire une recherche de tunnels quand même. Voilà. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Voilà.
On découvre des choses, hein. Alors, est-ce que là on est bon? Non, toujours pas bon. Je vais accélérer un peu plus. Formation scolaire pour débutants. Oula, 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 oula. Pourquoi ça quand t'es une évasion? D'où c'est sorti ça? Alors là, on a un événement inédit, c'est-à-dire qu'on va vite appeler les urgences. Avec de la police anti-émeute. Alors, on a dû choper des tunnels. Je sais pas pourquoi, ils sont tous partis d'un coup. Trouver des tunnels, non, même pas, j'ai pas compris d'où ça venait. Bon, c'est pas grave, hein. Ils ont pas aimé la recherche des tunnels. Alors ici qu'il y a des rebelles encore, ils sont là les rebelles. Ah, il y en a encore qui se baladent là. Voilà, on va les mater, mais regardez. Voilà. Bon, par contre, voilà. On est dans la méthode. Bon, je pense que là, on est pas mal. Hein. Allez, on va arrêter les tunnels. On va appeler les ambulanciers, peut-être. Allez, on va prendre des ambulanciers pour essayer d'évacuer tous ces blessés là. Parce que bon, vous voyez, hein, ils font pas dans le. Alors, par contre, il y a lui là. Encore un qui rebelle là. Voilà. Bon, je pense que là, ça va être maté. Vous voyez, il y a recours après là. C'est Gibbs. Voilà, un Gibbs. Il y en a encore un ou deux. Donc on est pas mal. Donc on a développé notre programme scolaire. Alors ça nous a perturbé, mais c'est bien, c'est l'effet aléatoire du jeu. Donc là, pourquoi ça ne veut plus rentrer? Ça veut plus rentrer à cause de la porte. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va pas faire ça, parce que finalement, on s'embête pour rien. On refera la porte après, voilà. Parce qu'il y a tellement de choses à faire que... Allez, on accélère. Du coup, est-ce que là, on va les rentrer tout seul? Ceux-là, on peut rentrer les forces anti-émeutes, là, c'est bon, on n'a plus besoin. Alors, on a nos gardiens qui viennent les chercher, donc ils vont les re-rentrer en cellule, vous voyez. Bon, par contre, le problème, effectivement, c'est que là, les gardiens, il faut... Ils vont en prendre 4 de plus parce qu'ils sont débordés. Voilà, ici, ça construit. C'est bon, impeccable. Allez, le jour se lève, on va essayer de finir. Voilà, le fameux local. 50 prisonniers, ouais, bah là on est mal parce que du coup, vous voyez, ça va être très compliqué. Parce que là on se retrouve avec 52 plus. Il y a du monde au balcon. Hein. Alors, est-ce que là ils veulent pas me mettre mes câbles là? Si, il y a mes câbles, ils m'ont pas mis mes lumières par contre. Bon, c'est pas grave, on va faire un plan tout de suite.
En construction rapide. Donc deux cellules basiques. Alors est-ce qu'on les met? On va les mettre comme ça. Alors, on est reparti pour... on va faire le bloc. Donc là, vous voyez, hein, là, on est vraiment parti sur du bloc de la prison, ce qu'on appelle industriel. Hein. Parce que là, je vais avoir, je pense, 40 ou 50 cellules. Donc j'ai fait ce plan-là. Donc il faut aussi qu'on fasse, bien évidemment... Je sais pas si je me suis pas loupé sur le câble là. Il faut qu'on fasse bien évidemment une grande canalisation d'eau. On va partir sur une canalisation comme ça. Voilà. Ensuite, on va faire ici. On est là. Et comme ça. J'espère que ça ira parce que. Voilà. Là on est bon. Par contre, j'ai toujours pas compris pourquoi on n'a pas une lumière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre nous-mêmes. Donc on a fini notre bloc pratiquement. Donc pour cet épisode, on va en rester là, hein, bien entendu. Hein. Donc on n'oublie pas de s'abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt, nouvel épisode. Alors, ce qui nous attend, on ne sait pas, mais ça va nous arriver. Allez, à très bientôt, à plus tout le monde.